Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce réupload de cet Ad Inventum Dungeonit sur la fresque finale de tous les jeux présentés donc pour cette année Ad Inventum Dungeonit de 2016. Donc je vous laisse en compagnie de Lifetime Lapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce réupload de cet Ad Inventum Dungeonit sur la fresque finale. Donc là, point de jeu, quoique, hein, en fait, là je reprends tous les personnages dessinés lors des Ad Inventum Dungeonit de l'année et je les mets autour eh bien, du logo de l'Ad Inventum et du logo du thème, donc Dungeonit. Donc voilà, donc là, vous avez tout ça, sachant que cette vidéo était reprise d'un Draw Trollman Roshow spécial et je l'ai remis ensemble. Donc si vous voyez des petites saccades, tout ça, c'est parce qu'en fait avant je l'avais mis ensemble avec deux fresques. Il y avait je crois deux fresques. Je crois que c'était l'Ad Inventum Dungeonit et le Shmupsery qui étaient ensemble. Et donc là j'ai voulu les séparer pour en faire bien sûr un seul pour eh bien le mettre sur cette liste des Ad Inventum Dungeonit. Hein. Pour bien sûr réduire le nombre de vidéos pour les Draw Trollman Roshow spéciaux qui en ont déjà assez. Donc voilà, là je voulais en rajouter une de plus pour ces réuploads. Donc voilà, donc si eh bien vous demandez pourquoi ça saccade un peu, bah, c'est parce que peut-être la vitesse était beaucoup plus courte et j'ai dû la rallonger un petit peu. Donc j'en suis désolé pour ça, mais vous inquiétez pas, peut-être pour les prochains Dungeonit et tout ça, ce sera moins long.
Voilà, ça sera plus, ça sera moins saccadé, moins long, donc voilà, ça sera plus regardable, on va dire. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à émettre votre pouce levé, comme ça vous êtes sûr, eh bien, de mettre en avant le concept, si vous voulez, hein. Si vous voulez pas, bah, mettez rien. Vous mettez un pouce en bas, hein, si vous dites les concepts c'est nul, je suis contre les concepts, n'hésitez pas, hein, faites comme vous voulez. Ensuite, eh bien, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait depuis longtemps. Donc voilà, donc, si vous êtes déjà à peine abonné, vous cliquez sur le bouton abonné, ben, vous avez la cloche, comme ça vous serez notifié de toutes les vidéos qui sortiront de la chaîne. Et si... ben, vous avez fait ça sur les autres chaînes et que ben, malheureusement vous êtes notifié de trop de vidéos, eh bien n'hésitez pas, il y a les réseaux sociaux. Alors sinon vous pouvez avoir les, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche et en même temps vous suivre les réseaux sociaux. Hein. C'est pas interdit non plus. Hein. Vous pouvez faire les deux. Ou si ça c'est juste une alternative si vous avez trop de notifications, vous avez peur d'être spammé de partout sur, quand vous venez sur YouTube. Hein. Ça c'est juste une idée que je vous donne. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à émettre vos avis dans la description de la vidéo, comme ça me permet de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Est-ce que j'ai bien fait de faire ces uploads? Voilà, ça peut être vos avis, mais bon, moi je préfère parce qu'avant les uploads, avant les formats étaient plus, comment dire, plus longs, et malheureusement, vu que de plus en plus vous préférez eh bien, des trucs plus courts, et eh bien je fais plus court. Et de toute façon, ça me va parce que je préfère vous présenter que le dessin qui est ma spécialité. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous eh bien à une prochaine vidéo ou un prochain réupload. Allez, salut à tous!